Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ce matin 16 juillet 2022. Que la paix du Seigneur, la communion du Saint-Esprit soit ton partage. Ce matin, j'aimerais t'exhorter à garder la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ne t'effraie point, mais crois seulement à ce que Jésus te dit. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui va ressembler peut-être à la tienne. La Bible dit dans Luc chapitre 8, à partir verset 41, la Bible nous dit « Il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, il se jeta aux pieds de Jésus-Christ et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Et donc, entre-temps, il y a la femme atteinte de perte de sang, bien-aimée de Dieu, qui s'est interposée, qui a été guérie. Et la Bible dit, dans le verset 49, comme il parlait encore, survint du chef le chef de la synagogue, quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas. Crois seulement et elle sera sauvée. » Donc je saute du verset 52, 10. Donc Jésus est arrivé à la maison de cet homme. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Verset 54, « Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, c'est une histoire qui a mal commencé et qui se termine bien. Cet homme qui vient se jeter aux pieds de Jésus-Christ et demande son secours, comme tu le fais d'habitude quand tu es dans une situation désespérée, dans une situation compliquée, tu te jettes aux pieds du Seigneur Jésus-Christ en disant « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi de cette situation ». Mais entre-temps, il y a plusieurs choses qui viennent s'interposer. Tu as l'impression que Jésus n'aura pas le temps pour toi. Jusqu'à ce que ta situation s'aggrave et même cette situation est qualifiée par ceux qui t'entourent comme étant une situation pliée, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus dit non, la situation n'est pas morte. La situation veille seulement. La situation sommeille seulement. La situation est dans un état de léthargie. Mais elle sera relevée, elle sera restaurée, elle sera transformée. Et c'est là où ta foi intervient. Mon frère, ma soeur, ce matin, je ne sais pas par quelle situation ou bien quelle situation dans ta vie est tellement morte. Peut-être que c'est la santé, peut-être que c'est les finances, peut-être que c'est la famille. La situation aux yeux des autres, des uns et des autres, la situation elle est morte, elle est pliée. Mais ce matin, le Seigneur veut te dire, mon fils, ne t'inquiète pas, ne crains pas, crois seulement, et la situation va changer. Ce n'est pas moi qui te le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui te le dit. Alors ce matin, est-ce que tu y crois que cette situation peut revivre, cette situation peut être transformée? Alors si tu le crois ce matin, mets vraiment véritablement tes yeux sur le Seigneur et dis, Seigneur, j'y crois. Et j'attends ton intervention. Alors nous allons prier tous ensemble. Père, ta parole est la vérité. La Bible dit que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de l'impossible. Celui qui dit la chose s'accomplit. Oh, pour la fille de Jairus. La fille, elle est morte. Oui, les gens ont dit la fille, elle est morte. Les gens pleuraient. Les gens ne veulent. Les gens même se sont moqués de toi. Oh, les gens se moquent même de ta fille, de ton fils. Parce qu'ils croient. Ils croient toujours que tu peux intervenir. Mais les gens, oh, ont déjà plié la situation. Papa, je prie ce matin, oh Père, que tu touches, Seigneur, ce frère, cette sœur, et que cette situation
qui étaient complètement désespérés, Seigneur. Oh, sois transformé. C'est toi qui transformes, oh Seigneur, le désert en étang. Seigneur, là où il y a la famine, oh, tu changes en un jour la famine en abondance. Seigneur, les ossements desséchés, c'est toi qui leur redonnes la vie. Père, il n'y a rien qui te soit impossible. Alors je prie ce matin que la situation de quelqu'un ait le même sort que la fille de Jairus au nom de Jésus. Le même sort que la fille de Jairus au nom de Jésus. Alors reçois la vie. Si c'est au niveau de la guérison, reçois ta guérison à l'instant même. Si c'est au niveau des finances, reçois la restauration miraculeuse au nom de Jésus. Quel que soit, si c'est au niveau de la famille, au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit restaure ta famille à l'instant au nom de Jésus-Christ. Merci Père de ce que tu es fidèle et tu l'as fait au-delà de ce que j'ai demandé même ce matin. Oh, merci à toi. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde le cœur de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellent week-end à toi, frère, au nom de Jésus-Christ. Amen.